26, Tahiti. Il est né le 29 juillet 2022 dans l'élevage de Romain Mirouz dans la Haute-Garonne. Il est qualifié RRJ étoile, pointé 80A. C'est un fils de Notos, un taureau Riva testé Iboval en ferme, un joli taureau mixte très racé, pointé 79A. Une qualité qui transmet bien à sa descendance, la preuve. Côté mère, Papété est une fille de Jabu, sur une origine animale de l'élevage Céron. Une vache recommandée, pointé 77A, avec de bons index, surtout en phase de naissance 113. Ce taureau est de type mixte et très interpellant, car il est à la fois très puissant dans son squelette, avec une ossature ultra fine, et très éclaté dans son arrière-main caliteuse, qui semble encore ne pas avoir tout dit au vu de sa croissance modérée liée à la canicule. Il est aussi interpellant dans ses qualités de race, pointé à 115% de la série. Il a une magnifique tête, très longue et expressive avec un cornage léger, une très belle couleur de robe froment et bien nuancée, malgré que la période soit défavorable, et il est aussi fin et dégage une belle harmonie générale, avec en prime un super tempérament. Tous ses index sont positifs, 105 en muscles, 101 en squelette, 112 en qualité de race, 104 en aptitude fonctionnelle et 104 en ouverture pelvienne. Au vu de tout cela, l'étoile ne pouvait pas lui échapper. Alors, si vous avez des ambitions pour votre cheptel, ne le laissez pas filer et sa mise à prix est à 4 000 euros.